tiens, tiens, je vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et il me veut le marier. Eh bien, qu'y a-t-il de si funeste? Hélas, Scapin, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne t'aura qu'à voir ce que je le sache bientôt. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention pour me tirer de la peine où je suis, je croirais t'être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me sont impossibles quand je vais m'en mêler. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui a acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Et j'ai renoncé à toute chose depuis d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une affaire où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous sommes un petit démêlé. Toi et la justice? Oui. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent dans un voyage de commerce où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la direction de Sylvestre et Léandre sous ta conduite. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fait rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce et me blâmait sans cesse sur l'indifférence que j'étais pour les feux de l'amour. Je sens bien la chose. Un jour que je l'accompagnais, nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées à beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante assistée d'une jeune fille toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre l'est parue effroyable en l'état où elle était, et cependant elle brillait de 1000 attraits. Je sais cela encore. Si tu l'aurais vu, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Oh, je n'en doute point, et sans l'avoir vue, je vois déjà qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point des larmes désagréables qui défiguraient un visage, et sa beauté était la plus belle du monde. Je vois tout cela encore. Ah, Scapin, si tu pouvais... Un barbare l'aurait aimé. Après quelques paroles, dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qu'il lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Stop, si vous n'abrégez pas ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, on lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir de ses poursuites. Voilà son amour, augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agit, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, mais cela avec le retour imprévu du père que l'on attendait que dans 2 mois. Et la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, prends en compte la pauvreté où se trouve cette aimable personne et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Vous voilà bien embarrassés tous deux maintenant, à cause d'une bagatelle. Je voudrais bien que le mot donné autrefois nous viendra du père. Je les aurais joués tous deux par-dessus ma jambe. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai pas de prix comme toi à me brouiller avec la justice. Voici mon aimable hyacinthe.